changé. Une petite vidéo pour vous montrer avec quoi j'ai réalisé ce maquillage. Donc je vous laisse déjà regarder les yeux. Voilà. Et juste pour voir le teint, mais c'était surtout les yeux pour que vous puissiez voir. Voilà à quoi ça ressemble. Donc je vais vous montrer avec quel produit j'ai les réalisé. Alors moi pour le teint, j'utilise toujours la CC crème d'Herborian dorée. Ça, je trouve qu'elle me va très bien. Et vraiment, j'y trouve du confort, tout ce qu'il faut. J'ai mis du temps, mais c'est vrai que celle-ci est très bien. Ensuite, j'ai fait un contouring avec ce stick, l'Arizzi Cosmétique, que j'ai eu dans ma box Blissim, vous voyez. Voilà. En blush, j'ai pris celui-ci, je ne sais pas, je l'ai trouvé chez Nose. Voilà, 1,99€, vous voyez. Je ne sais pas si je peux vous l'ouvrir. Avec une main, c'est un peu compliqué, voilà. Moi, comme j'ai la peau un peu mate, il faut quelque chose de soutenu. En poudre. La Magic Mango hein, de Max & More, increvable et puis surtout, franchement pour tous les jours, c'est très bien. Pour les yeux, j'ai utilisé la Max & More Sea Pearl que j'ai juste trouvé dans mon Action. Et donc j'ai utilisé cette teinte-là, Shell Year, pour mettre sur toute ma paupière. Ensuite, j'ai pris la fin là, pour le coin externe et j'ai éclairci avec ce petit shimmer là, le Fish Friends, pour apporter un peu de lumière. J'ai mis à l'intérieur de ma paupière, j'ai mis ce crayon Max & More qu'on trouve dans les lots là. Un mascara. Je ne sais pas où je l'ai eu celui-ci, de la marque Astra. Je pense que j'ai dû le trouver ou chez Nose ou je l'ai eu dans une de mes box, mais je pense plus chez Nose. Et ce petit rouge à lèvres MAC. Voilà la référence. Donc c'est un mini, je vous montre, que j'ai eu dans ma box Blissim. Alors lui, c'est pas un mat, c'est pas une longue tenue, mais pour la journée, ça suffit. Voilà, une petite nouveauté, on verra si ça vous intéresse. Au revoir les amis.